J'ai un arlequin dans la bouche et j'arrive pas à le finir. Du coup, ça va être compliqué à commencer cette vidéo. Bon, du coup, je vais faire l'intro avec ce bonbon. Yo les crosses, c'est Toshi Crow et bienvenue sur Araya pour le chapitre 2. Chapitre 2 qui a été très long à arriver sur la chaîne, j'en suis désolé. Je me suis chopé une grippe. Et quand la grippe est passée, mes dents de sagesse ont commencé à me faire chier. Donc je reste environ une semaine inactif, j'en suis désolé. Je pouvais pas faire autrement les crosses, je pouvais vraiment pas faire de vidéo cette semaine. Impossible, impossible. Mon corps m'a dit non, tu vas te faire enculer, YouTube c'est mort pour cette semaine. Donc je suis guéri, tout va bien pour l'instant, tout va mieux en tout cas. Donc c'est parfait les crosses, donc chapitre 2 d'Araya, attention, du très lourd nous attend, enfin j'espère en tout cas. Alors souvenez-vous dans le... Putain il va être chiant ce bonbon. Ah mes dents de sagesse. Ok, le bonbon est avalé. Alors souvenez-vous dans le chapitre 1, à la fin du chapitre 1 on avait une cinématique, et j'avais pas capté sur le moment, mais au montage, j'ai remarqué que le mec qu'on voit dans la cabine de sécurité là, do you run on this floor? Le mec dans la cabine de sécurité, en fait, ce n'est autre que le copain de la fille qui est disparue. Je sais plus son nom. Bah Araya du coup. Something's not right today. Et du coup, on incarne... Ah oui, mais c'est ça que j'ai oublié de vous dire, en fait. On incarne dans ce chapitre 2, nous incarnons le mec de la sécurité. Et j'entends des bruits très bizarres, là. Oh, oh lolo. C'est quoi, ça? On va essayer de partir. I've got a feeling that something bad is gonna happen. Je sens qu'un truc vraiment mal est en train de se passer. Mais tu as raison. Je sais plus comment il s'appelle. Oh, y'a quelqu'un là? Ah, elle est là. Elle est là, elle est en train de pleurer, elle est là, elle est juste là. Mon amour! Bon, elle a fui. Oh! Cette porte vient de s'ouvrir toute seule! Deux solutions s'offrent à nous, les creuses. Soit on trace notre chemin, soit on retourne en arrière et on va dans un coin pour pleurer tranquillement. Allez, on y va. Oh là 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 là. T'es vraiment horrible toi. Oh putain, t'es vraiment vraiment moche. Bon, me fais pas un coup de traître là dans le dos. Ah putain la pute. Ok. Allez, allez. C'est bon, elle bouge pas, on va refermer la porte. Referme, 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 oui. Adieu. Saloperie. Saloperie de démon. Allez, on continue les crosses, on est très bien là. On est très très bien. Oula, y'a un truc dans la télé, les gars. Faut changer le décodeur, les mecs. Y'a un problème. Ah. Encore une poupée. Ah. Oh. Ok, poupée. Ok, pépé. Qu'est-ce qui se passe? On se tire. On se tire. Mon dieu, qu'est-ce que c'était que ça? Bon, ouais, je sais pas trop où aller, là, du coup. Hein. On va essayer d'aller par là, je sais pas. J'en sais rien, les crosses, je suis complètement perdu, là. Et donc, souvenez-vous aussi, dans ce chapitre 1, donc, le mec qu'on incarne, là, nous avait laissé une lettre en nous disant qu'il avait vu des choses. Et je pense qu'on est vraiment en train de vivre la scène qu'il a écrite sur sa note, en fait. Je pense. Ça me paraît logique. Oh putain, sortie de secours, t'es sérieux? Vas-y, on y va, on fonce. Merde, c'est fermé. Merde, 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 merde. Où est-ce que je vais? Putain, Toshi, tu te fous dans la merde tout seul, là. Oh! Ok, j'ai des frissons. Là, je vous avoue que j'ai des frissons. Ok, lui, il va me suivre. Oh putain, il va me suivre, on court. Something isn't right. Tonight feels different somehow. Quelque chose ne va pas, la nuit semble différente. Ah oui, bah, je vais bien te croire. Oh.
Oh, elle tourne la tête. Il tourne la tête. C'est quoi ça, putain de... Oh, dégage, 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 dégage. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, je vais mourir, là. Attends. Where the hell am I? Ok, c'est pas fini. C'est pas fini. View object. Description. An empty gift box. Un cadeau vide. Une boîte vide. Ok. Très bien. Je m'en fous. Oh mon Dieu, on est où là? Les creuses? On est dans un cube. Ah, je vois qu'il y a une entrée là-bas. Attendez. Oh non, 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 non. Oh non, 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 non. Ah, la Slender's arrival. Elle va me suivre. Catch the little girl, faut la choper. Allez, viens là. Viens là, saloperie. Viens là, saloperie. On va la suivre. Putain, une chaise roulante. Merde. Non. Oh, elle passe carrément à travers les portes, c'est bon ça. J'adore. Bon bah, on va suivre. Allez, suivons. Ah, il faut un code. C'est quoi ça là? Il y a une horloge. Je vois que t'aimes bien les têtes de poupées. J'en ai pas mal chez moi si tu veux. Viens! Viens à la maison! Pour le moment, j'ai juste à la suivre les creuses. Il y a des bruits vraiment bizarres. Vas-y, vas-y. Follow me! Eh hey, oh, arrêtez de me jeter des trucs là-haut! Oh! Vous voulez me tuer ou quoi? Bande d'enfoirés. Ok, elle est rentrée là-dedans. Allons-y. Oh là 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 là. Je te follow, mais. Je te follow, mais j'ai du mal, là. Oh my god, un crâne. Le teeny school, un crâne de petite, d'enfant, en fait. It's probably from a child. Ouais, ça vient probablement d'un enfant. C'est peut-être son crâne, du coup. Est-ce que tu veux que je te rende ton crâne, ma petite? Why is so late? Qu'est-ce que t'as dit, là? Ah. Bah, elle vient de disparaître. C'est très étrange. Honnêtement, c'est très étrange, hein, ce qui se passe là. Coucou. Alors du coup, je sais pas si on est toujours au chapitre 2, je pense. Et c'est très bien. C'est très très bien. Follow the suspicious person. Oh, nickel. J'adore parce que ça reprend vraiment les événements du chapitre 1. Quand le mec qu'on incarne là, le mec de la sécurité, écrit sa lettre, dans sa lettre, c'est vraiment, il écrit vraiment ce qui est en train de se passer là, ce qu'il a vécu en fait. On a un truc. Jit, written on the back. Donc Jit, il en a parlé dans sa lettre. Jit, c'est le méchant lui. C'est le méchant Jit. Le petit Jit. On va voir ce qui nous cache avec ses expériences sataniques. Je pense que c'est le mec. Je pense fortement que c'est le mec qu'on a vu dans le chapitre 1 qui était en train de décortiquer quelqu'un et qui parlait de Satan et de rituels. À mon avis, c'est ça. Hein. Ok, une chaise roulante, on fait très attention. Ça va, il se passe rien. On continue. À gauche. Je vais plutôt aller tout droit. Ah. Toi, t'essaies de me faire peur, mais t'as pas réussi. Salopard. Bon, bah, avançons. Il se passe absolument rien pour le moment. That woman. Ah. I've seen her before. Ah mais c'est celle qu'on incarne dans le chapitre 1, putain. Et oui, elle a été enlevée par ce mec dans l'ascenseur, souvenez-vous, il nous avait fait peur. Is that you again, Rama? This is none of your business. Ah voilà, Rama, on s'appelle Rama. Ah. Oh putain, 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 putain. Je me retourne pas. Je me retourne pas. Je me retourne pas. P. Ah. Allez, 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 allez. Allez. Oui. 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 Non. I have
Oh putain, cinématique. Allez Rama, non, on n'aura pas la suite. Ah, chapitre 3, Boon. Alors, est-ce qu'on aura une petite cinématique? Oui. Ah, et on va encore incarner quelqu'un d'autre. Énorme, on va encore incarner quelqu'un d'autre. Qui c'est? Je sais pas du tout qui c'est. Peut-être le frère de Rama, j'en sais rien. Oh, pas mal. Donc Rama s'est fait aussi capturer. Comme la fille dans le chapitre 1. Bah écoutez, pas mal du tout les Crows, vraiment bien. Eh bien écoutez, Crows, voilà, c'était la fin de ce chapitre 2 sur Araya. J'espère qu'il vous plaît, j'espère que ce let's play vous plaît, que ce jeu vous plaît. En tout cas, moi j'y prends beaucoup de plaisir, j'adore ce jeu. Il y a une bonne histoire, on incarne plusieurs personnages différents qui, en fin de compte, sont liés, on peut le dire. Bref, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, les Crows. Je compte sur vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour le chapitre 3, bien entendu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, les Crows. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao!